Bonjour, chers amis, frères et sœurs en Christ. Pour des raisons de confinement, nous nous retrouvons pour nos différentes rencontres sur le site de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Thionville. Que le Seigneur vous bénisse tous richement dans sa grâce. Et nous sommes comme vous, nous attendons tous sa venue pour être définitivement avec lui pour l'éternité et pour être libérés de ses contraintes terrestres. Alors, dans cette attente, soyons toujours fidèles dans l'enseignement et le partage de sa parole qui fait du bien à nos âmes. Je voudrais vous raconter une histoire qui servira de support à notre partage du texte biblique de ce jour. Ça s'est passé en Belgique l'année dernière et quelqu'un a acheté un tableau à une autre personne pour la somme de 500 euros. Et peu après, l'acquéreur le montre à un ami connaisseur qui lui a déclaré qu'il était en possession d'un Rembrandt représentant Christ et ce tableau est estimé à une valeur de 30 millions d'euros. Et l'ami lui a conseillé rapidement de le mettre en sécurité à la banque. Voyons un petit tableau qui ne valait rien. Mais une fois dans les mains du nouvel acquéreur, il a révélé sa valeur insoupçonnable, tel un vrai trésor qui était caché et qui a été recaché du monde en étant remisé dans un lieu sûr. Chers amis, c'est avec cette histoire que je voudrais entrer dans notre lecture du jour en Matthieu, chapitre 13 et verset 44. Donc je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu qui nous parle du trésor caché. Matthieu 13, verset 44, je fais la lecture. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Remettons ce texte dans la prière et l'action de grâce à notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton grand amour envers nous, et merci pour la réconciliation avec le Père Céleste. Aide chacun de nous à recevoir de toi l'enseignement et que nous puissions chacun nous y conformer en te glorifiant pour ta venue dans notre vie et la transformation qui découle, Seigneur, de cette grâce, de ton grand amour pour nous. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. L'évangile de Matthieu au chapitre 13 avec ses paraboles est un enseignement fort que Jésus nous adresse. Et quand on connaît la manière d'enseigner de Jésus, on sait que chaque phrase provenant de sa bouche, et même chaque mot, a son importance. Si nous récapitulons les quatre dernières paraboles, la première parabole des quatre terrains montre trois types de croyants qui ne produiront jamais rien. Et le quatrième terrain va produire trois types de production chez le vrai croyant. La deuxième parabole de l'ivraie et du blé parle des faux chrétiens mélangés aux vrais. La troisième parabole du Sénévé présente une croissance anormale du royaume où Satan vient même nicher dans ses branches. La quatrième parabole, qui parle du levain, représente le faux enseignement mélangé au vrai. Ainsi, si l'on n'y prend pas garde, le service qui va découler de l'enseignement sera corrompu par le manque de volonté à se confier en la vérité. Et maintenant, nous nous retrouvons pour la parabole du trésor caché. Nous allons prendre les mêmes références que pour les paraboles précédentes, à savoir que le champ représente toujours le monde et l'homme représente toujours Jésus. C'est important pour nous de garder une continuité dans les paraboles, car sinon on pourrait interpréter le message d'une manière erronée d'un point de vue de la doctrine. Nous savons aussi que le royaume des cieux, c'est la période de temps comprise entre la première venue de Jésus et la seconde lorsqu'il apparaîtra en gloire sur toute la terre, et que pendant cette période, il y aura des personnes qui se revendiqueront de Christ, mais tout en ne l'acceptant pas entièrement. Jésus, ayant parlé auparavant à la foule par les quatre premières paraboles, va maintenant prendre avec lui. Il va ne prendre avec lui que ses disciples dans la maison,
afin de les instruire eux seuls d'une manière particulière. Ainsi, il enseigne les quatre caractéristiques du trésor. Premièrement, que le disciple était caché dans ce monde. Deuxièmement, il nous demande de nous laisser trouver par lui, par Jésus. Troisièmement, le disciple est préservé. Et quatrième point, Jésus révèle sa mission. Voilà le trésor. Le trésor, il y a ces quatre éclats-là qui doivent faire scintiller et briller toute une vie qui est régénérée à la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est caché dans le champ? C'est pas Jésus, parce que Jésus n'est pas venu en cachette dans ce monde. Donc, une idée de vouloir cacher le salut ne cadrerait pas avec l'enseignement biblique. Parce que Jésus, il est notre sauveur, il est notre salut, et Dieu ne cache pas son Fils dans le monde, parce que son royaume n'a rien de secret. Rappelez-vous, pour ce faire, que Jésus a dit de lui-même en Jean 8, 12, c'est Jésus qui parle, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ceci nous fait comprendre que Jésus est venu dans le monde pour révéler aux hommes la lumière de Dieu. Il n'y a jamais eu de dissimulation. Et en 2 Corinthiens chapitre 4, et les versets 3 et 4, c'est Paul qui écrit et qui nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Nous avons besoin de nous saisir de la pensée de Paul. Il dit « Je n'ai pas prêché des choses cachées par un voile, parce que si l'évangile paraît obscur pour certains, c'est parce que le diable les a gardés dans l'ignorance. » Nous devons comprendre que le Dieu de ce siècle n'a aucun scrupule à éloigner les hommes de l'évangile. Et dans ce fait, il ne faut surtout pas attribuer à Dieu une situation dont Satan est le véritable auteur. Alors, ce qui est caché, c'est quelque chose dont la valeur est perdue par la ruse de Satan. Ainsi, la personne qui va devenir le disciple était auparavant caché dans le monde. Et au fait, qu'est-ce qui est perdu dans ce monde, sinon l'homme sans Dieu? Vous avez tous appris très tôt dans votre vie chrétienne que chaque être humain, sans exception, est malade, corrompu et pécheur par la ruse de Satan. Ainsi, puisqu'il n'y a pas un seul juste, pas un seul, alors quelle valeur spirituelle l'homme peut-il avoir? Quelle valeur spirituelle l'homme peut-il avoir quand tous les aspects de sa personne ont été contaminés par le péché? La réponse, vous la connaissez, elle est sans équivoque possible. Il n'y a aucune valeur de l'homme qui puisse le faire chercher Dieu, puisque la dignité de l'homme a été anéantie par le péché. Ainsi, le péché ne peut chercher Dieu. Mais ne pensez pas que la nature pécheresse de l'homme le rend vraiment sans valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Car Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors il est certain que l'homme ne peut rien faire pour s'approcher de Dieu, à moins que Dieu l'y invite. C'est cela qui nous fait garder une grande humilité par rapport au salut. Nous avons tout reçu par grâce, car c'est Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur, et nous lui avons répondu. Est-ce le cas pour vous qui écoutez ce message? Sinon, ne tardez pas, car vous avez pour Dieu un grand prix à ses yeux. Amis, vous qui cherchez une réponse à votre existence, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut insuffler sa grâce et vous libérer de la condamnation du péché. Alors s'il peut paraître un peu particulier de comparer l'être humain à un trésor, cependant, c'est bien nous qui sommes ce trésor. Regardons ce que déclare la Bible dans l'Ancien Testament déjà, quand Dieu dit à son peuple en Zacharie 2,8. C'est Dieu qui parle, il dit « Qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil ». Vous avez remarqué combien l'œil est précieux, et la prunelle de l'œil désigne quelque chose d'extrêmement précieux.
Et oui, en dépit de tous ses torts, Israël demeure et demeurera toujours un peuple très précieux pour Dieu. Et le Seigneur Jésus a lui-même la même perception des pécheurs. Ils sont précieux pour lui. C'est ainsi qu'il nous enseigne dans la parabole de la brebis perdue en Luc 15. Et il va nous démontrer que chaque être humain, tout perdu qu'il est, il est vraiment précieux pour Jésus. Parce que Dieu met tout en œuvre pour ramener à lui les âmes égarées, mais combien précieuses à ses yeux. Comprenez que Dieu fait en tout temps tout ce qui est possible de son côté pour sauver l'homme. Mais chacun a sa propre responsabilité de se laisser trouver. Ainsi, tout homme était perdu, mais il est retrouvé comme un trésor cher aux yeux de Dieu. Et cette parabole dépeint de façon magnifique l'amour de Dieu pour l'humanité perdue. Nous avons besoin de saisir que tous les êtres humains sont précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes tous un trésor précieux aux yeux de Dieu. Gardez-vous cela bien à cœur. Pourquoi? Parce qu'il existe un trésor enfoui au plus profond de notre être et au cœur même de tout être humain. Puisque Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité qu'il voudrait avec nous, avec chacun de vous. Et oui, même perdu, toutes personnes sont pour Dieu un trésor, parce que Dieu aime l'homme qu'il a créé, mais Dieu ne peut que haïr le péché qui est dans l'homme. Et c'est déjà en tant que pécheurs que nous faisons partie de ce trésor, mais qui est encore perdu. Et vous savez quoi? Jésus est venu dans le monde justement pour nous trouver, pour vous trouver, vous, ce trésor perdu et enseveli dans le champ du monde. Ainsi, ce deuxième éclat du joyau de Dieu, c'est « Laissez-vous trouver par Jésus ». Avant, nous étions morts et perdus. C'est ce que nous étions avant d'être trouvés par Christ. C'est ce que signifie le mot « enseveli ». Nous étions perdus car nous étions morts spirituellement par nos offenses et nos péchés. Et nous pouvons revenir à la vie que lorsque Dieu nous trouve, car nous avons besoin de nous laisser trouver par Dieu. On va regarder comment Dieu s'efforce par tous les moyens de trouver ceux qui sont perdus. On va reprendre la lecture de Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché et perdu dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Et le mot « trouver » ici est plein de sens. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes. Il recherche des personnes qui accepteront de le servir sans aucune défection, mais toutes en reflétant sa lumière dans le monde afin de montrer aux hommes le chemin du salut. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui décrit ce désir de Dieu à notre égard. C'est Ézéchiel 22, 30. C'est Dieu qui parle, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Dieu cherchait un homme qui aurait pu encore sauver Israël en intercédant pour lui et en proclamant la vérité, afin d'amener ce peuple endurci à quoi? À la repentance. Mais il n'y a trouvé personne parmi cette génération-là. Mais vous, vous laisserez-vous trouver par Dieu? Dieu peut-il encore trouver aujourd'hui des hommes selon son cœur? Telle est la question. Le Seigneur Jésus dit en Jean 4, 23, il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dans ce même verset, nous lisons « Car tels sont les adorateurs que le Père demande ou cherche. » C'est un appel pour chacun de vous. Dieu le Père recherche comme adorateur ceux qui, par la foi, se sont détournés du péché et qui sont purifiés par le sang du Christ pour lui offrir une adoration dans la vérité de tout leur cœur.
En ce moment, Dieu cherche comme adorateurs ceux qui ont un désir tout entier d'être en accord avec la nature de Dieu. Et ce sont ces personnes-là seulement qui formeront un nouveau peuple, un trésor pour Dieu. C'est pourquoi Jésus dit aussi que pour un seul pécheur qui se repent, une grande joie est ressentie parmi les anges du ciel. Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous chercher. Dieu a accepté que le sang de son propre Fils soit répandu afin de nous trouver et de nous sauver. Chers amis, si Jésus a accepté de faire un tel sacrifice, cela doit nous faire saisir quelle valeur tout être humain a aux yeux de Dieu. Alors on comprend pourquoi le ciel se remplit de joie lorsqu'un pécheur se convertit. Et lorsque plusieurs se repentent, les anges se réjouissent d'avoir vu qu'un trésor est trouvé. Et vous, vous cachez-vous de Dieu? Parce que dans la Bible, l'idée de cacher ou d'être caché est souvent associée au péché ou à une conséquence du péché. Regardez, dès les premières pages de la Bible, en Genèse 3:8, regardez la réaction d'Adam et d'Ève après qu'ils eurent désobéi à Dieu. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin en se couvrant de feuilles de figuier, comme si Dieu n'allait pas les voir. Et en Amos 9:3, Dieu dit de la maison d'Israël qui avait fini par épuiser sa patience, mais combien grande est la patience de Dieu? Il dit: même s'ils se cachent au sommet du Carmel, je les chercherai et je les saisirai. Oui, mais malheur à ceux que le Seigneur cherche à cause du mal qu'ils ont fait, car il est impossible d'échapper au jugement de Dieu. Alors sache, ô homme qui fait le mal, que quel que soit l'endroit où tu te caches, et même si tu essayes de cacher ton péché en invoquant une situation ou autre chose, sache que quel que soit l'endroit où tu essayes de fuir loin de la justice de Dieu, il saura te trouver et te juger. Mais si chacun cesse de se cacher en reconnaissant ses torts, alors le salut devient possible et il n'est possible que par la repentance. Sachez que quand on s'approche de Dieu, nous constatons qu'il se tiendra près de nous. Nous lisons par exemple le psaume 32,5, où c'est David qui parle, il dit: « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voyez-vous, chers amis, c'est uniquement dans un esprit de repentance que le psalmiste, qui était un homme pécheur, s'est abandonné entre les mains de Dieu sans chercher à couvrir ses fautes. Et c'est cette même attitude qui est décrite dans la parabole du fils prodigue, que vous pourrez lire en Luc 15-18, quand ce jeune homme s'est dit en lui-même: « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et quelle fut la réaction du père à la vue de son fils? Le père s'est approché de lui et, ému de compassion, il courut vers son fils et le serra contre lui. Voyez-vous, tout homme a le bonheur de voir ses péchés pardonnés lorsqu'il s'adresse au Seigneur avec un cœur repentant. Et quand le trésor n'est plus dissimulé dans la terre de ce monde de péché, alors il est trouvé, ce trésor. Parce que maintenant que Christ a offert sa vie en sacrifice, le fossé qui séparait l'homme de Dieu n'existe plus. Ainsi, il ne reste plus aucune distance entre l'homme et notre Dieu créateur. Et tout pécheur que nous sommes, Dieu nous couvre alors de son pardon. Et Dieu peut le faire parce que nous sommes cachés en Christ. Ainsi, nous voyons la troisième facette de ce joyau, de ce trésor, c'est le disciple et préservé. Dans notre récit du jour,
que peut signifier qu'après avoir trouvé le trésor, l'homme le cache de nouveau dans le sol? Eh bien, il faut découvrir là un autre geste qui fait allusion à la bienveillance de Dieu à notre égard. Le péché nous cachait la face de Dieu. Et ce n'est que lorsque Jésus est venu nous trouver et que nous avons confessé son nom que nous sommes devenus ce trésor qui nous assure une éternité avec lui. Mais pour l'instant, nous sommes cachés dans ce monde parce que ce monde ne reconnaît pas encore en nous les vérités spirituelles. Ainsi, le Seigneur cache les siens dans le sens qu'il les protège aussi contre la colère du jugement de Dieu. On va prendre Luc chapitre 13 et le verset 34 comme un exemple où Jésus dit lui-même « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ?» Et vous ne l'avez pas voulu. Permettez-moi une question. Pour quelle raison une poule rassemble-t-elle ses poussins sous ses ailes? Eh bien, pour les garder en sécurité et pour les cacher des prédateurs qui sont tout autour. Mais voyez-vous, malgré cela, Israël a refusé l'offre de la protection de Dieu. Mais pour nous, lorsque nous accueillons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui nous trouve et qui nous cache en lui en quelque sorte. Jésus nous prend sous sa protection. Si avant nous étions en dehors de Christ, maintenant nous sommes en Christ. Ainsi, Christ nous a incorporés en sa vie et cela nous préserve de la condamnation qui attend l'incroyant au jour du jugement. Vous aurez remarqué que ce trésor se trouve toujours dans le champ qui représente le monde. Parce que tout simplement, lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous laisse encore dans ce monde. Jésus le disait lui-même à ses disciples en Jean 16, 28. Il dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Puis au verset 33, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous voyons par là que Jésus nous assure de sa protection pendant le temps que nous avons encore à vivre ici-bas. Nous sommes maintenant cachés dans la personne de Christ, car nous sommes maintenant sous sa protection. Alors, que peut me faire un homme? Voyez-vous, ces versets doivent nous faire éprouver un réel réconfort, car malgré les dangers, comme en ces jours où nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre et des pestes et de virus, malgré cela, nous sommes en sécurité, puisque Jésus est avec nous, et cela pour l'éternité. L'apôtre Paul, le grand apôtre, nous parle de cette protection à l'égard de chaque croyant. Il affirme en Colossiens chapitre 3 et verset 3, il nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Voilà la vraie réalité. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette déclaration nous ramène à la parabole du trésor caché. Elle évoque l'idée d'une chose précieuse, un trésor qu'on a caché et gardé en sécurité. Ainsi, toute personne qui est unie à Christ a trouvé un réel refuge. Mais si pour l'instant le trésor se trouve encore dans le champ, nous sommes en tout cas à la fois dans le monde et cachés en Christ. Et pendant ce temps, chaque chrétien doit encore faire face à l'agitation du monde. Mais nous avons la grâce de Dieu et sa paix qui nous accompagne dans notre quotidien. Amen. Oui, nous avons notre refuge en l'Éternel contre les machinations des hommes. Et de fait, ceux qui appartiennent à Dieu sont appelés les fidèles cachés dans le psaume 31. Je vous invite à prendre avec moi la lecture. Psaume 31, verset 20-21. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. » Écoutez, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente
contre les langues qui les attaquent. Oui, tu les protèges dans ta tente. Et le verbe protège en hébreu, c'est staphan, qui signifie cacher, comme garder un trésor en vue de lui assurer la protection. Voilà ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Alors, gardons ces images à l'esprit pour comprendre cette parabole du trésor. Le Seigneur cache les siens dans son sein, comme un homme cacherait un trésor dans un champ, sachant que l'homme, c'est Jésus. Et comme une poule cacherait sa couvée sous ses ailes. Frères et sœurs, amis, c'est dans cette intimité que nous trouvons la joie du Seigneur. Alors, es-tu un racheté dans ce monde? Jésus, lui, après nous avoir rachetés, va aller rejoindre le Père dans la joie. Et c'est là qu'il révèle sa mission. C'est mon quatrième éclat. Lisons Jean 13, au verset 33. Jésus nous parle et dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Littéralement, Jésus dit à ses disciples qu'il doit s'en aller et retourner chez son Père. Ainsi, vous ne pouvez pas me suivre, vous devez rester dans le monde. Et dans cette déclaration, Jésus annonce qu'il allait bientôt mourir. Jésus sait qu'il doit se donner entièrement pour racheter ce champ que représente l'humanité déchue. Il allait mourir sur la croix, puis il retournera au ciel. Mais que fait-il quand il s'en va? Eh bien, Jésus, quand il s'en va, il va acheter le champ. Et de la joie, il en a. Il s'en va et vend tout ce qu'il a et il achète ce champ-là. Et dans notre texte du jour, le verbe « acheter » se dit en grec « agorazo ». Et c'est le même que celui qui est retrouvé en 1 Corinthiens 6, 20, où Paul écrit « car vous avez été rachetés », c'est-à-dire « agorazo », à un grand prix. Ensuite, il nous dit « glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ». La même expression est reprise en 1 Corinthiens 7, 23, qui nous dit « vous avez été rachetés, donc agorazo, à grand prix, ne devenez plus esclaves des hommes ». Et voyez-vous, c'est ce que précisément notre parabole enseigne. On doit être, comme dans la première parabole du terrain, on doit être le terrain qui porte du fruit. Dans la deuxième parabole, nous devons être le bon grain et non pas l'ivraie. Dans la troisième parabole, nous sommes cette faible plante, mais qui nous élançons vers le ciel. Et dans le quatrième, nous devons prendre conscience du levain qui règne quelquefois parmi nous et le refuser. Et dans cette parabole du trésor, Jésus nous explique que les vrais disciples gardent l'enseignement de Dieu et c'est ceux-là qui sont dans le royaume des cieux. Oui, Dieu nous a acquis, ne péchons plus. Il a payé notre rachat au prix du précieux sang de son Fils. Mais tous les hommes peuvent recevoir le salut. Ce n'est pas réservé à quelques-uns seulement. Jean le dit de façon très explicite en Jean 1. Donc Jean 1, chapitre 2 et verset 2. Il dit « Il est lui-même, en parlant de Christ, une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Oui, amis, Jésus est mort non seulement pour les péchés du chrétien, mais aussi pour ceux du monde entier. Maintenant, vous qui écoutez ce message, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, prenez ce texte de Romains 10, versets 9 et 11, et faites ce que la parole de Dieu vous demande. Il vous demande quoi? Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture.
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez-vous, dans la parabole du trésor caché, nous devons nous rappeler qu'il y a une transaction qui obligea Jésus à tout vendre. Oui, il s'en va initialement de son ciel de gloire, vient sur terre découvrir le trésor que vous êtes, le garde en sécurité, et ensuite, il vend tout ce qu'il a en donnant sa vie en rançon. Et il achète ce champ-là. La transaction est effectuée. Et le mot « vendre » signifie qu'il s'est dépouillé lui-même pour se donner en rançon au bénéfice des âmes perdues, des âmes que nous étions avant. Paul l'exprime en ces termes en 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous étions perdus sans valeur aux yeux de Dieu. Dieu est venu, il nous a appelés à lui, nous avons répondu à son appel et il nous a enrichis tel un trésor. Et Jésus, lui, il était riche, mais pour nous, il s'est fait pauvre. En effet, il a préféré tout délaisser, tout ce qu'il avait, afin de nous gagner. Et par son dépouillement, et renonçant à toutes les gloires célestes, nous avons été enrichis pour l'éternité. Tel est le trésor. Et Jésus, par sa mort sur la croix, Jésus a acheté le monde et tous ceux qui y vivent. Mais son œuvre ne sauve effectivement que ceux qui se repentent, que ceux qui croient en lui, que ceux qui l'acceptent lui, le Sauveur du monde, le Seigneur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous savez que la Bible, elle dit que Dieu cherche sans relâche les égarés du monde. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que le monde se perde, mais qu'il se repente. Regardons à 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance est un changement d'avis sur Dieu et sa manière d'agir, alors que nous prétendions peut-être le connaître. Mais voyez-vous, la repentance entraîne un changement de comportement. La Bible le dit clairement, la repentance conduit toujours à un changement de comportement. C'est pourquoi Jean le Baptiste, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3 et verset 8, appelait les gens à produire un fruit digne de la repentance. Parce que voyez-vous, on n'entre pas dans le royaume de Dieu sans renoncement, sans abandon, sans rupture. Il faut pour cela se repentir, repenser même toute son existence. Il faut revoir sa copie. Il faut constater qu'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route. Dans la repentance, en fin de compte, c'est trouver d'autres valeurs, les vraies. Alors tel sera votre trésor. Pierre fait cette affirmation concernant notre appartenance. En 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous, parmi tous les peuples de la terre, nous sommes son plus précieux joyau. Il nous a fait sortir des ténèbres pour nous appeler à son admirable lumière, pour refléter l'éclat de sa gloire. Tels sont tous les trésors que Jésus s'est acquis individuellement. La parabole du trésor caché indique que Dieu attend une réponse de votre part. Et cette parabole est une leçon sur l'œuvre du Christ qui a donné sa vie en rançon pour nous. Jésus est celui qui trouve le trésor, qui va jusqu'à la croix et renonce à tout ce qu'il a pour acheter le monde dans lequel le trésor est dissimulé. Et vous, chacun pour votre part, quelle sera votre réponse?
Voulez-vous être ce trésor dans ce monde pour glorifier Dieu par le témoignage d'une vie transformée? Alors, confessez son nom et laissez-vous enseigner par sa parole qui est la vérité, et vous recevrez grâce sur grâce en étant ce trésor pour Dieu. Qu'il en soit ainsi dans votre vie et dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous allons passer un temps dans la prière. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu es venu nous chercher, alors que nous ne valons rien à nos propres yeux. Car nous reconnaissons que sans toi, nous étions perdus pour l'éternité. Mais grâce soit rendue à Dieu que tu as payé le prix pour chacun de nous qui se réclamons de toi. Merci Seigneur, parce que tu nous fais paraître devant Dieu le Père comme un vrai trésor. Ah Jésus, aide chacun de nous à reconnaître que c'est ta seule présence en nous qui nous donne de la valeur et que cela te glorifie, toi seul Seigneur, toi Jésus, notre Sauveur. Oui, merci Seigneur pour la sécurité que nous avons en toi. Merci pour ta sainte protection sur nos vies. Et nous louons et glorifions ton saint nom. Oui, Père Céleste, à toi l'honneur et la gloire, et à Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Oui, amis, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et sur vos proches. Et je vous dis à bientôt sur le site de l'Église, La Bonne Nouvelle, pour d'autres moments d'édification dans la parole de Dieu. Bonne journée à vous.